Sœur Claire, troisième dimanche de l'année C, donc Saint-Luc, le début de Saint-Luc. Et puis ensuite on saute au chapitre 4 pour des questions de convenance à cause des évangiles de l'enfance. Bon, peu importe. En tout cas, Luc 1, 1, 4, et puis ensuite ça sera Luc 4, 14, 21. C'est ce que nous entendons pour le troisième dimanche de l'année C. Alors, je voudrais commencer en disant quelques mots de Saint-Luc, puisque nous sommes une année Luc, et que là, on lit le début de l'évangile selon Saint-Luc. Il a un très beau nom, hein, c'est la même chose que Lucie, ça veut dire la lumière, et il nous a apporté des lumières magnifiques sur le mystère de la personne du Seigneur. Voilà. C'était un compagnon de Saint-Paul dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 10, Actes 16, 10, les actes qui ont été écrits par Saint-Luc. Alors il raconte, il parle abondamment de Saint-Paul qui est son maître, et puis au verset 10 du chapitre 16, tout d'un coup il dit « Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine ». Conclusion, il parle de Saint-Paul, mais il était avec Saint-Paul puisqu'il dit « nous ». Compagnon de Saint-Paul, Saint-Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 14, Colossiens 4, 14, vous avez les salutations de Luc, le médecin bien-aimé. Et puis, enfin, saint Paul fait l'éloge d'un mystérieux disciple, enfin, qui n'est pas si mystérieux que ça, puisque Origène l'identifie déjà avec saint Luc. 2 Corinthiens 8, 19, il est dit « Nous envoyons avec lui, avec Tite, le frère dont toutes les églises font l'éloge au sujet de l'Évangile. Ce n'est pas tout, il a encore été désigné par suffrage des églises comme notre compagnon de voyage. » Donc Saint-Luc, annonciateur de l'Évangile, connu par toute l'église naissante. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, il commence humblement son évangile en rappelant l'importance de la tradition et de l'honnêteté dans la tradition. Premièrement, il dit « Je ne suis pas le premier, beaucoup ont entrepris, etc. » D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. On ne peut pas être serviteur de la parole si on n'a pas d'abord été témoin. Et si on n'a pas entendu les enseignements qui nous ont précédés et si nous n'avons pas été témoins du Dieu vivant dans notre existence. C'est ce que dit Saint-Luc. Grande honnêteté dans la recherche sur toutes les informations qu'il a pu trouver. Et puis, il a fait appel, bien sûr, aux témoins oculaires. C'est la raison pour laquelle le Concile Vatican II insiste énormément sur l'historicité des évangiles, parce que ce que dit Saint-Luc, les autres l'ont fait aussi. Il n'y a rien de gratuit, ni d'inventé, ni de raconter pour faire plaisir aux auditeurs dans les évangiles. Tout est strictement vrai et reçu dans l'Esprit Saint par ceux qui nous l'ont transmis. Alors, je lis un passage du paragraphe 11 de la Constitution Dei Verbum. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. Deuxièmement, l'origine apostolique des quatre évangiles. Toujours et partout, donc ça c'est le paragraphe 18 de Dei Verbum, toujours et partout l'Église a tenu et tient l'origine apostolique, ça veut dire elle remonte aux apôtres, des quatre évangiles. Ce que les apôtres en effet sur l'ordre du Christ ont prêché, eux-mêmes et des hommes de leur entourage, nous l'ont sous l'inspiration divine de l'Esprit transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'évangile quadriforme, quatre formes, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je termine
avec le paragraphe 19 de Dei Verbum, la Sainte Mère Église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance que ces quatre évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Tout ça, c'est évidemment le cas pour Saint Luc, dont nous entendons le début de l'évangile. La tradition, c'est la base de notre foi. On n'a rien à inventer, on a à recevoir humblement avec ce que nous sommes. Je vous rappelle la magnifique homélie de Saint Étienne, au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, au verset 38, quand il parle de Moïse, il dit « Il reçut les paroles de vie pour nous les donner ». Et encore, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, on connaît bien ce passage, début du chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu. » Donc c'est exactement de cette manière que se situe Saint Luc. Et quant au lien entre le fait d'être témoin et d'annoncer la parole, Saint Paul l'a entendu de ses oreilles, de la bouche du Seigneur lui-même, tel qu'il le raconte au chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres, au verset 16. « Voici pourquoi je te suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir, etc. » Serviteur et témoin. Saint Luc est les deux à la fois. Il est serviteur et témoin. C'est pour ça qu'on aime beaucoup son évangile, comme les trois autres d'ailleurs, mais pour ça que c'est quand même extraordinaire de pouvoir s'y plonger. Surtout si on porte le nom de Théophile, parce que son évangile s'adresse à un Théophile, bon, peut-être bien qu'il avait un disciple qui s'appelait Théophile, mais en même temps, Théophile, ce sont ceux qui aiment Dieu et que Dieu aime, si vous voulez. Donc, tous les Théophiles se plongent avec joie dans l'évangile selon Saint Luc, puisqu'il leur est adressé. Alors, la fin de ce verset 14, hein, c'est-à-dire du début de l'évangile selon Saint Luc, je t'ai raconté tout ça pour que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Solidité des enseignements que tu as entendus. Les enseignements que tu as entendus, on pourrait dire les enseignements dont tu t'es fait l'écho, et c'est l'histoire de la catéchèse. Vous avez ici pour la première fois en grec le mot catéchèse. Ça veut dire je me fais l'écho de ce que j'ai reçu. Et la solidité des enseignements, on trouve ça dans la première lecture, dans le livre de Néhémie, quand il est dit que Néhémie ouvre le livre, etc., il lève les mains, et tout le peuple le voit, et tout le peuple dit « Amen ». Amen. Ça veut dire tout ce qui est dans cette parole, c'est la solidité de notre vie. C'est là-dessus qu'on veut s'appuyer. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du texte que nous entendrons dimanche prochain. Enfin, le troisième dimanche, c'est. Je passe maintenant à la deuxième partie de cet évangile qu'on va entendre pour le troisième dimanche de l'année C et qui se situe au chapitre 4 de Saint Luc. Donc on passe plusieurs chapitres pour en arriver à Jésus faisant la lecture un Shabbat à la synagogue de Nazareth. Et il lit quoi ? Ben, il lit le texte du jour, bien entendu. Il déroule le rouleau du prophète Isaïe et il le lit et il le commente. Ce passage du prophète Isaïe où il est dit d'abord « Le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Ensuite, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, il y a deux fois le mot libération, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, et les opprimés aussi vont être libérés, etc. Bon. Alors, Jésus referme
plutôt renroule, je ne sais pas comment on dit, le rouleau, parce que ce n'était pas un livre, c'était un rouleau, bien sûr. Et il commente en disant ceci, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors, « accomplir », je rappelle que ça ne veut absolument pas dire « se réalise » ou ni même « est mis en pratique ».« Accomplir », ça veut dire « est rempli de sens ».« Accomplir », ça veut dire « remplir ». Si vous voulez ce mot, c'est celui que vous trouvez au chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 22, quand Dieu dit aux poissons, enfin 22, non, c'est pas les poissons, quand Dieu dit aux oiseaux, soyez féconds, multipliez, pardon, c'est les poissons, oui, remplissez l'eau des mers, remplissez l'eau des mers. Ou encore, vous avez au psaume 65, au verset 10, tu visites la terre, tu la fais regorger, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. C'est exactement le même mot en grec. Ce que Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5 au verset 17, Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Ça veut dire donner un sens plénier, remplir de sens. Toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament a du sens, bien sûr, sans la personne de Jésus, mais un sens incomplet. Le sens complet est donné par Jésus. Donc quand Jésus commente les Écritures, il explique comment maintenant, nous avons, aujourd'hui, nous avons le sens plénier et nous n'avons plus rien à attendre. En Jésus, on a tout, toute l'exégèse, tout le sens de la parole de Dieu, tout le sens de notre vie. Il accomplit. Alors, comment accomplit-il ce qui est dit du prophète Isaïe ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ben, on a entendu le baptême. Hein. L'Esprit, comme une colombe, est descendu sur lui pour le désigner comme le Fils bien-aimé. Donc, il a reçu l'onction. Il est Christ et Messie. Ensuite, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Bon, ça, on le voit dans toutes ses prédications. Et puis, la libération des captifs. On n'a jamais vu Jésus aller dans les prisons pour ouvrir les portes et en faire sortir qui que ce soit. Il faut bien se rappeler que l'esclavage et la prison dans la Bible, c'est d'abord et avant tout le péché. Comme il est dit, par exemple, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 34. « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. » Voilà, c'est de cet esclavage-là que Jésus est venu nous délivrer. Et il y a deux fois le mot « délivrance », enfin en grec c'est deux fois le même mot dans ce texte d'Isaïe, et c'est le mot qui va être utilisé pour parler de la rémission des péchés. Si vous voulez, c'est comme s'il était écrit « Je suis venu annoncer aux captifs leur rémission et donner la rémission aux opprimés ». Rémission, c'est le mot utilisé pour le pardon des péchés. Je vous lis par exemple dans Marc 1, 4, Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 4, que prêche Jean-Baptiste ? Il était dans le désert proclamant un baptême de conversion pour la rémission des péchés. Donc, dans ce sens-là, Jésus donne tout son sens à la prophétie d'Isaïe, parce que dans la personne de Jésus, tout ce qui est écrit est vécu en pleine lumière et on comprend vraiment ce que ça veut dire d'être pauvre, d'être captif, d'être aveugle, d'être opprimé et de recevoir la guérison et la libération de la part du Seigneur.